Les graines de chia sont des graines minuscules qui ont été cultivées par les Aztèques il y a plus de 4000 ans. Elles sont originaires des régions tropicales et subtropicales d'Amérique du Sud et du Mexique, mais sont maintenant produites dans le monde entier. Elles sont riches en nutriments et sont présentes dans de nombreuses variétés, notamment noires, blanches, grises, rouges et même bleues. Les graines de chia peuvent être consommées directement, ajoutées à des aliments et même mélangées à de l'eau pour former une pâte qui se solidifie et se transforme en gel. Les graines de chia sont considérées comme un super aliment car elles sont riches en nutriments et bienfaits pour la santé. Elles contiennent des oméga 3 et des antioxydants qui aident à prévenir les maladies cardiovasculaires, la santé des os et la santé digestive. De plus, les graines de chia sont une source riche en fibres, en protéines et en minéraux essentiels. Les graines de chia peuvent être consommées seules, moulues, ajoutées à des aliments et intégrées à des préparations culinaires. Elles peuvent être ajoutées à de nombreux aliments pour améliorer leur saveur et leur texture et pour en augmenter leur valeur nutritionnelle. Cependant, il est important de noter qu'elles peuvent être nocives si elles sont consommées en quantité excessive. Les graines de chia sont une source riche en nutriments, en vitamines et en minéraux et peuvent offrir de nombreux bienfaits pour la santé. Elles sont une excellente source des oméga 3, de fibres, de protéines et de minéraux essentiels. Elles sont également bonnes pour le cœur, les os et la santé digestive, et peuvent même être bénéfiques dans le traitement et la prévention du diabète. Les graines de chia peuvent être ajoutées à une variété d'aliments pour leur donner plus de saveur et de nutrition. Elles peuvent être consommées sèches ou mélangées à de l'eau pour former une sorte de gel. Elles peuvent être ajoutées aux céréales, aux salades, aux desserts, aux smoothies et à d'autres recettes pour leur donner des nutriments supplémentaires.